J'espère que vous allez bien. C'est un peu calme, mais ça va reprendre, mes amis. Je vais vous expliquer. Je vais vous expliquer pourquoi, comment. Allez, on va aller déjà dedans. C'est là où s'est passée la fête. Donc, c'est dans mon village, c'est mon voisin. Voilà. Donc, on va aller voir un peu. Et je vais vous expliquer. Donc, pendant 3 jours, il y a eu la fête ici. Bien sûr, je suis venu. Voilà. Alors, une boîte, c'est quoi? C'est une personne qui va aller au temple. Et là, il n'y avait qu'une personne. Voilà. Alors, pourquoi ces jeunes et ces moins jeunes vont au temple? Parce qu'une fois dans leur vie, il faut qu'ils aillent au temple. Que ce soit avant qu'ils meurent. On va dire avant ses 18 ans, avant le mariage. C'est un peu un baptême. C'est comme vous, le baptême. Voilà, on se fait baptiser de bonne heure. Et c'est ce qui s'est passé là. Hein. Là, la personne qui est allée au temple a fait ses 18 ans. D'accord? De là, à la sortie du temple, il va rester une semaine. Pour lui, il y en a qui restent plus longtemps aussi. Et il va ressortir, il va aller travailler, puisqu'il a son travail. Donc pendant cette semaine qu'il est au temple, il est en congé, voilà. Et de là, après, il va se marier, et ainsi de suite, il va mener sa vie. Il y en a qui ne le font pas parce qu'ils n'ont pas d'argent. Donc, ils le font quand ils ont de l'argent et ils mettent de côté. Parce que là, c'est des très grosses fêtes pour certains. Et croyez-moi, il y a vraiment des belles fêtes. Voilà. Là, c'est une fête correcte, bien. Voilà, ça suffit. Donc la personne est au temple déjà, hein. C'est cette personne-là, je vais vous la montrer, c'est pour ça que je m'approche un petit peu. Oui, on peut y aller plusieurs fois au temple, ça c'est certain. Si le moine accepte que vous soyez dans son temple, il n'y a aucun problème. Comme moi, je peux aller aussi bien à Bamponoi, un peu de partout parce que je suis connu, donc ils m'accepteront volontiers. Mais il faudra toujours faire cette petite fête. Voilà, plus ou moins grande. Mais il faudra toujours passer par la case départ, faire la bénédiction par les parents et ainsi de suite. Voilà. Donc, on est en train de se chauffer. Voilà, on chauffe, on chauffe, on chauffe. On chauffe, on chauffe, on chauffe. Voilà. Oh. Le conte est français. Ça va, dis-moi. Ça va, dis-moi. En qui français, en qui français. Quand je parle, bonjour, bonjour, ça va bien? Ça va, dis-moi, ça va bien? Ça va, dis-moi, ça va bien? Français, français. Thailand, ça va, dis-moi. Happy P, Thailand, d'accord? Voilà, pipi. Welcome to Thailand. Voilà, il y a un dimanche, il y a un sanouk. Sanouk. Voilà, donc ça c'est un sanouk, bien entendu, ce que vous avez vu. Là, il va en avoir encore un petit peu. En soirée, il va en avoir encore. Ah, encore. Je ne sais pas. จำได้โอเชียนจำผมได้อยู่ไม่ได้ได้สิลูกเจ้าอ่ะสองลูกสองลูกลูกสิบปีมีลูกสี่เดือนปุยอีกปุยอีกมีอ่านี่ว่ากินยาโน่ใช่ครับใช่ครับนี่ใช่ครับ Voilà, on accorde. Ah, ils sont là pour 3 heures, mes amis. On va pas rester 3 heures. Alors, ça c'est un orchestre. Oui.
อาเป็นมะม่วงพี่วันวิกกี้ขาวบอไม่กินไม่กินกินหญ้าหญ้าเปรี้ยวโอเคหญ้าหญ้าหญ้ามะนาวมีมีใส่มะนาวโอ้ยเจ้าจะสะเป็นนางเร็วโอเคนิ่งหน่อยแมงโก้ชอบชอบแหมกินทุกวันVery good. ปีกี้กันนี่นะไปลูกไทยสัตว์กระห่างเลยมาบอกฟังลูกกินอันนี้ดีเห็นป่ะมาม่วงเดี๋ยวย่างกลับขึ้นมาหนีป่ะเด้อาลิสเจปักจีเจปักจีกลับมาอยู่ฉันจะมากินมังมาม่วงมาม่วงก็เลยเสร็จหมดไปกินละดูตัวคนไทยบ้างไหมจะไปตักจะไปตักบุกมาหน่อยสามนาทีได้เพราะมันแห้งอันนี้ละละเชฟมันไม่ได้กันเลยแค่นั้นLa basse, bien entendu, là, et Poyai. Ça va, les gars, Poyai. Oui. Il y a des choses que vous ne voyez pas. Alors, ce que je vous ai pas montré aussi, parce que j'ai pas eu le temps, j'étais à la pêche avec mon fils, j'y avais promis, c'est que avant d'attaquer la musique, il y a un rituel qu'il faut.
on va se mettre en place parce que on est quand même sur la route pour faire passer les gens et tout. Mais vous inquiétez pas, il n'y a jamais d'histoire. Le contraire, tout le monde peut venir. Tout le monde peut venir faire la fête.